Magnifique température aujourd'hui. Il semblerait qu'ici au Québec, dans le cœur du Québec, avec cette végétation qui se réveille, il semblerait que le printemps soit de retour. Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Soyez les bienvenus pour ce nouveau Facebook Live partage. Je ne suis pas persuadé de la connexion, je voulais vous le dire. Vous le voyez, je suis au cœur de la forêt. Dans ce lieu de villégiature où je viens me retrouver. Quand il fait beau ici au Québec, l'hiver je suis plutôt du côté de Miami et puis l'été je suis plutôt de ce côté-là. C'est mon point central de recentrage, mon point de repère. Je viens ici me ressourcer régulièrement. Je voulais partager avec vous quelques éléments de réponse pour vous aider, vous aussi peut-être, à choisir dans quelques années, dans quelques heures, dans quelques temps, votre style de vie, d'affaires et de carrière. Et puis, je voulais aussi vous partager probablement quelques outils très simples pour vous permettre de réinventer ou peut-être de recréer votre vie. Alors, en étant direct ici, je ne sais pas si vous me recevez bien. On va voir si vous êtes tous ici en ce moment. Bonjour Gérard, bonjour Aurélie, bonjour Ange, bonjour, bonjour d'Algérie. L'Algérie dans la place, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Belgique, la France. Évidemment, chez moi, ici à Montréal. Vous êtes nombreux. Margot, bonjour. Hello Nicolas. Oh Margot, tu peux m'appeler par mon prénom, Franck. Bonjour Dorian. Bonsoir de Montpellier. Bonjour à nos amis de Montpellier. Bienvenue à tous les amis. On va faire en sorte que vous soyez tous ici. Bonjour Franck, et dire que je t'ai serré la main. Wes avec à Paris, c'était génial. Mounia, merci beaucoup. C'est vrai que Wes Paris, c'était un magnifique temps fort qu'on a adoré. C'était vraiment chouette. Et bonjour Aurélien, bonjour Yuri, bonjour à tous les amis, on est en direct ici. On est dans le cœur du Québec, Canada, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me suivent peut-être pas souvent. Qui je suis? Ah, qui je suis? C'est une bonne question. Je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe, une entreprise de coaching et de formation installée ici au Canada. On est les leaders dans la francophonie en termes de leadership, d'entrepreneurship. On forme des entrepreneurs et des leaders salariés et puis aussi employés, salariés, employés et entrepreneurs et auto-entrepreneurs, je voulais vous dire surtout. Dans nos événements, on fait des événements gigantesques aux allures de concert rock, des formations magnifiques. Ça s'appelle la tournée 110 à l'automne prochain. Ça s'appelle Weekend Spark au printemps. Et puis, j'ai édité aussi des programmes audio, vidéo, livres, best-sellers pour vous aider justement à vivre vous aussi votre vie et vos affaires. Et où est-ce que je suis en ce moment? Je suis dans le cœur du Québec, je vous le disais. Alors, je suis une nouvelle fois, je n'ose pas trop m'éloigner de ma borne Wi-Fi qui est à l'intérieur parce qu'on est au cœur de la forêt et puis il n'y a pas d'internet filaire, c'est l'internet satellite que nous avons ici. Alors, je ne suis pas persuadé que ce soit une très bonne connexion, pardonnez-moi déjà. Mais voilà un petit peu ce paysage face auquel j'ai le bonheur de me retrouver pour travailler. J'appelle cela délocaliser ma production, on en reparlera dans un instant. Et ça me permet aujourd'hui, après avoir travaillé pendant des années sur ma stratégie, mon développement du leadership, mon développement personnel, ça me permet aujourd'hui de travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux et face à quel paysage j'ai envie d'avoir en face les yeux pour être inspiré, pour aller plus loin. Avec mon copain ici, mon comparse, c'est lui. Je suis, vous le savez, issu de la basse société, de la classe populaire notamment, on appelle cela comme ça, désolé. Hein. Je suis un fils d'Italien né en France, dans le sud de la France, immigré au Canada et aux États-Unis il y a très longtemps de cela, où j'ai été adopté ici par une population que j'aime, par le Québec notamment. Et puis, dans le sud de la France, on avait l'habitude de faire des barbecues. Oui, on aimait ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être de la même culture que moi. Mais les francophones, je dirais que soit en Europe ou surtout en Amérique du Nord, on est vraiment très barbecue, on adore vraiment ça. Voilà, c'est chouette, avec une nouvelle fois un beau paysage. Qui est calme, qui est bien. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Je ne sais pas si vous entendez ou pas. C'est chouette, hein. Alors, vous êtes beaucoup à me dire, mais Franck, de quelle façon est-ce que tu t'y es pris, toi, pour vivre ton style de vie? Tiens, regarde. On a même préparé à l'occasion du printemps. Regarde, attention, attention, attention. Oui! On a même. Et le spa est prêt, mais tu le verras pas dessous, il est juste dessous, là. Hop.
Le spa est prêt. Toute l'année. Mais j'avoue que l'hiver, je trouve ça joli l'hiver ici, évidemment. Mais j'aime bien plutôt la Floride l'hiver. Je ne sais pas pourquoi. J'en sais rien. Je ne sais pas pour vous, mais je préfère la chaleur. Je suis un gars qui ne suis pas né, si tu veux, dans cette partie nord du monde, hein. Je suis vraiment né dans une culture latine, méditerranéenne, de gens qui parlent fort, qui parlent vite et qui parlent avec des gestes. Voilà. Et qui rient fort, qui pleurent fort, qui font tout fort. Et c'est un petit peu. Je t'avoue qu'en t-shirt dehors, c'est pas non plus encore aujourd'hui la bonne température idéale. Même si. Alors, je vais pas trop me balader parce que j'ai peur que le Wi-Fi coupe. Et j'ai pas envie de vous perdre parce que j'aimerais vous donner quelques éléments de réponse aujourd'hui pour vous aider à toujours pareil, à vous développer aujourd'hui dans votre carrière, dans vos affaires. Alors, je sais pas combien vous êtes en ce moment, mais j'aimerais vous donner quelques éléments de réponse. Et puis, si vous le voulez, je répondrai à quelques-unes de vos questions tout à l'heure. Vous savez, en ce moment, on a ce qu'on appelle la série préparatoire. La série préparatoire, c'est un extrait du programme de coaching Spark. On vous l'offre en ce moment, pourquoi? Eh bien parce que ce programme de coaching que vous allez avoir qui va ouvrir ses portes à partir du mois de mai prochain, prenez note, eh bien va radicalement, je crois, changer votre carrière, vos affaires et surtout la qualité de vie que vous avez dans votre vie privée comme professionnelle. Et en ce moment, j'espère que vous êtes tous dans ce que l'on appelle la série préparatoire. Une nouvelle fois, c'est 2 semaines où vous pouvez tester, goûter le programme Spark gratuitement. Donc prenez des notes, s'il vous plaît. Allez sur sériepréparatoire.com et dès maintenant, commencez à suivre toutes les vidéos. Ça a commencé lundi dernier. Ça va durer 2 semaines. Ça va aller très vite et les vidéos seront supprimées au fur et à mesure. Vous allez avoir notamment plein de vidéos, notamment 3 conférences qui ont été enregistrées en salle et en public. À l'époque, les participants avaient payé. Donc, j'espère que vous apprécierez ce cadeau. Et j'espère aussi que je m'adresse à des hommes et des femmes qui veulent développer leur carrière, leurs affaires, qui ont décidé de se bouger les fesses, comme moi je l'ai fait il y a plusieurs années, sans forcément toujours se plaindre, chialer, râler, ça va pas, j'arrive pas, c'est pas possible, et qui tournent en rond. Et j'ai pas envie de ça pour vous. Aujourd'hui, le postulat, si vous voulez, c'est que j'espère que je ne suis pas trop rude et que je pourrai m'adresser à vous directement sans forcément y aller par emphase. Pensez à ça. Parce que je voudrais pas que vous perdiez votre temps, les amis, avec du politiquement correct. Ce n'est pas le style de la maison. Donc, je voudrais pouvoir parler avec vous aujourd'hui très simplement. Et puis avoir la possibilité de vous donner des astuces. Avant cela, allez-y tous, s'il vous plaît. Allez sur, je vais vous donner les infos parce que peut-être que vous ne les avez pas. Allez sur série préparatoire.com. Allez là-dessus sur sériepréparatoire.com. Margot, tu as déjà goûté à ça, c'est bien. Bon, parfait Alexandre, si ça passe bien, c'est pas du 4K, mais ça passera pour l'instant bien. Allez là-dessus sériepréparatoire.com ou programmespark.com et puis vous aurez 2 semaines gratuites. Tout le monde, allez là-dessus sériepréparatoire.com. C'est 2 semaines de conférences en direct. Alors, qu'est-ce que vous aurez dans la série? Puis, dans un instant, je vais vous donner 3 éléments qui m'ont permis à moi aussi de vivre mon style de vie. Je vais vous donner 3 éléments de réponse dans un instant. Comment je m'y suis pris pour vivre mon style de vie? Je vais vous le dire dans un instant. Vous êtes nombreux à me dire, Franck, je suis salarié et je veux développer ma carrière. Franck, je suis salarié et je veux créer une activité secondaire. Ou, troisième point, Franck, je suis salarié ou sans emploi ou étudiant et je veux créer ma petite entreprise. Vous êtes souvent dans 3 types de situations, en sachant que les demandeurs d'emploi ou les étudiants viennent nous rejoindre dans nos séquences gratuites. Et
ça nous permet justement d'aider tout le monde. Alors, dans la série préparatoire, est-ce que quelqu'un pourrait noter le lien? Comme ça, je pense que vous êtes tous inscrits probablement. Qu'est-ce que vous allez avoir? Depuis lundi, tous les jours, je vous propose des vidéos avec mon équipe que j'ai enregistrées justement ici, à ma petite retraite, je dirais des beaux jours. Dans ce coin de villégiature, j'ai enregistré pour vous plusieurs vidéos. Donc si vous ne les avez pas vues, faites vite, 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 vite. Les vidéos ont été publiées depuis lundi dernier. Vous en avez une par jour. Regardez bien, checkez bien vos courriels. Si vous ne recevez rien par courriel, c'est que votre messagerie Yahoo, Google, Vidéotron, Bell, Telus, SFR, etc., Orange, a spammé nos courriels. Donc regardez bien. On envoie des vidéos, des courriels tous les jours en ce moment. Un courriel, une vidéo. Un courriel, une vidéo depuis lundi dernier. Donc allez vite sur seriepreparatoire.com. Parlez-en à vos camarades de travail, à vos amis, c'est gratuit. Et c'est un extrait du programme Spark. Profitez-en, goûtez, goûtez. La deuxième des choses de cette série préparatoire, c'est qu'on va vivre ensemble 3 conférences web du monde entier. Vous pourrez les suivre gratuitement de votre tablette, de votre cellulaire, de votre ordinateur. On a 3 conférences live en direct. Je serai dans les studios de Globe à Montréal. Je vais quitter le chalet pour aller rejoindre Montréal, retourner à Montréal. Ce sera 3 conférences en direct. Prenez des notes, ne manquez pas ces conférences. Une fois qu'elles sont diffusées en direct, vous ne pourrez plus les voir quelques temps après parce qu'elles seront supprimées. Tout le contenu de la série préparatoire, seuls les étudiants au programme Spark pourront l'avoir. Voilà, il y a juste les étudiants au programme Spark qui pourront l'avoir toute l'année. Et les inscriptions au programme Spark, c'est une fois par an, c'est à partir du 30 mai. Notez ça. Et puis, on aura aussi, on va vous offrir, je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 conférences qui ont été enregistrées en public et on va vous les offrir. Alors, j'espère que tout cela vous amènera à comprendre que c'est important de travailler sur vous. Notez-moi dans les commentaires d'abord, parce que j'ai travaillé pour vous, hein, j'ai pris des notes. Notez-moi dans les commentaires maintenant, dessous, notez-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez comme projet. Quelle est votre situation? Est-ce que vous êtes aujourd'hui un entrepreneur? Est-ce que vous êtes un salarié? Et quels sont vos projets? Par exemple, vous pouvez m'écrire, Franck, je suis un salarié et je veux avoir un complément de revenu, ou je veux changer de carrière, ou je veux trouver un emploi de mes rêves, ou alors je veux créer un emploi, mais j'ai pas forcément envie de faire le métier d'entrepreneur. Ou quelle est votre situation? Notez-moi dans les commentaires parce que du coup moi je suis là pour vous aider aujourd'hui. Hein, je suis vraiment là avec vous. Donc faites en sorte de me noter dans les commentaires ci-dessous pour que je sache à qui j'ai affaire et je vais vous aider comme ça. Pour ceux qui ne sont pas là, tant pis pour eux, ou dommage. Et je voulais vous dire, quels sont vos projets en ce moment dans votre vie? Est-ce que vous êtes salarié et vous voulez créer une entreprise? Salarié, un complément de revenu? Salarié et booster votre carrière? Ou alors, vous n'avez pas un projet d'ordre professionnel, mais plutôt un projet personnel? Et dans le cadre de votre projet personnel, vous avez plutôt envie de trouver l'âme sœur, de forger une famille, de fonder des relations stables. Peut-être que vous allez me dire, Franck, mes projets, moi, c'est plutôt améliorer ma santé. Moi, si tu regardes ici, ma santé, voilà, tu vois, j'ai toujours ici, où que je sois, mes petits secrets. Par exemple, dans le programme Spark que vous aurez, vous allez avoir le bonheur d'avoir pendant 7 mois des médecins, des spécialistes et des experts et des coachs sportifs qui vont vous remettre en forme. Et tout ça, pour un investissement, vous le savez comme l'an dernier, minuscule. Et c'est un programme qui dure 7 mois, un accès pendant 13 mois, c'est énorme. Alors voilà pourquoi je vais lire vos commentaires maintenant. Vous êtes salarié dans le MLM, tu veux un revenu complémentaire, très bien. BA, ça c'est BA. Rachid qui me dit, sans emploi, je veux créer un complément de revenu. Sans emploi, ok. Je veux mon indépendance financière. Ça, qui est-ce qui me dit ça? C'est Brigitte. Sandrine, salariée, je suis dans le MLM pour augmenter mes revenus et j'aimerais évoluer encore plus. Je veux être la meilleure coach en ligne du monde arabe. Très bien, Amina. Je suis auto-entrepreneur et j'ai envie de booster ma carrière. Je comprends, Antonio. Françoise, salariée, j'aimerais développer mon activité complémentaire pour assurer une retraite paisible. Très bien, je vois. Salariée et complément de revenu pour Christophe.
Donc, beaucoup de gens veulent augmenter leurs revenus. Hein. Je veux créer une entreprise, une boutique en ligne pour commencer, mais j'ai l'impression que c'est saturé. Oh, mon pauvre Mouad, comment tu peux penser ça? Ah, oh, on va t'aider, Mouad. Nicolas, j'espère, Mouad, que tu es inscrit dans la série préparatoire et que tu seras dans le programme Spark parce que tu vas briser tout ça. Toutes ces vilaines croyances que tu as. Nicolas Collomb, qu'est-ce que tu me dis? Pour moi, je suis entrepreneur dans trois domaines différents et je n'arrive pas à m'organiser de manière optimale. As-tu des conseils? Nicolas, va voir la série préparatoire et j'ai des petites choses à vous dire tout à l'heure. Ça va vous intéresser. Laetitia qui nous dit « Salarié actuellement, je me donne 3 ans pour créer mon entreprise. » D'accord, donc du temps. « Salarié et un revenu complémentaire », me dit Armel. Samia, je suis salarié de la fonction publique, d'accord, et en reconversion pro dans le MLM, d'accord Samia, je comprends. On a aussi qui? On a Ben qui nous dit, je suis actuellement salarié et grand-père, ex-entrepreneur, maman au foyer, femme de maraîcher, et je voudrais créer mon auto-entreprise dans le domaine créatif, je comprends, Chippy. Hello, oui, pour mon projet, c'est d'ouvrir un cabinet de thérapeute énergétique constructive. D'accord, Emmanuel. Pour les personnes en mal-être, merci beaucoup. Yuri, notez-moi, on est en direct ici. Bonjour à tous, je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe. Et on est en direct ici. C'est ici que je viens me ressourcer, notamment dans les beaux jours. L'hiver, je suis plutôt, vous le savez, du côté de Miami. Et ici, je voudrais vous partager et annoncer notamment et célébrer la série préparatoire. Vous savez que la série préparatoire, c'est en ce moment. Si quelqu'un va peut-être noter le site internet sériepréparatoire.com, c'est un programme gratuit de 2 semaines. Et on va se retrouver, je ne veux pas que vous le manquiez, on va se retrouver en direct pour 3 conférences web gratuites. Je vais vous donner plein d'astuces. Ensuite, pour développer votre carrière, vos affaires, mais aussi votre style de vie. Ça ne sert à rien, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ça ne sert à rien de vouloir de l'argent, de travailler comme un fou, si vous ne pouvez pas en profiter. Ça ne sert à rien de travailler comme un fou, si vous n'avez pas une famille avec qui partager. Ça ne sert à rien de gagner de l'argent, si vous perdez votre santé. Ça ne sert à rien de gagner de l'argent et d'avoir un bon travail, si vous ne pouvez pas ensuite avoir le style de vie que vous voulez. Comment avoir tout cela? On va en parler aujourd'hui dans ce direct. J'espère que vous pourrez... Alors, je ne sais pas si vous me captez bien en ce moment, si vous me recevez bien, mais j'espère que vous pourrez bien... Alors, on fait en sorte que tout le monde soit en direct avec nous en ce moment. Et puis surtout, on amorce la discussion parce que je ne veux pas que ce soit une discussion juste moi, mais je suis là pour vous. Et on va faire un focus sur la vie que nous voulons avoir. C'est ça qu'on va faire. Ouf. Voilà. Vous allez choisir la vie que vous voulez. Et c'est ça l'objectif de la série préparatoire, c'est de vous permettre de... Voilà. C'est de vous permettre de vivre à vous aussi votre style de vie. Vous le voyez ici, au cœur du Québec, Canada, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. La végétation commence juste un tout petit peu. Je ne sais pas si tu vois les bourgeons là. Mais ça commence juste un tout petit peu. Voilà. On y arrive avec un beau temps aujourd'hui, on adore ça, un super beau temps dans ce coin du Québec, un chalet dans lequel je me ressource et qui est face à ce que j'appelle mon style de vie. Alors certains vont dire, ben Franck, c'est pas mon style de vie moi que je veux. Et je dirais que chacun son style de vie, chacun doit trouver ce qui va vraiment le ressourcer. Et surtout, l'inspirer. Si vous ne trouvez pas une façon de vous inspirer, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas réussir à tenir sur la durée. Il vous faut un idéal dans la tête. C'est-à-dire que ce que tu vois ici, je l'ai imaginé alors que j'avais même pas 20 ans. Le style de vie que j'ai aujourd'hui, je l'ai imaginé il y a quelques années de cela. Bon, 20 ans. Quand j'avais 20 ans, ça remonte à quand? Bah, quelques années. Donc voilà ce que j'aimerais faire aujourd'hui, très simplement, c'est vous amener à réfléchir, et je vais vous donner 3 clés dans un instant, à réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Que voulez-vous vraiment? Et à partir du moment où vous allez trouver ce que vous voulez vraiment, eh bien, beaucoup de choses vont se mettre en route.
Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Continuez de m'indiquer dans les commentaires ce que vous voulez. Là, par exemple, Dimen, si vous nous rejoignez en ce moment en direct, je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Le programme Spark, c'est un programme de coaching en ligne dont les inscriptions vont se tenir dans 2 semaines. Et en attendant l'ouverture ou la réouverture des inscriptions du programme Spark en ligne, c'est un programme pour les salariés comme pour les entrepreneurs, pour passer au niveau supérieur, eh bien, on vous offre 2 semaines de grande fiesta, de formation, de conférences et de coaching gratuit. Ne manquez pas ça, vite, c'est seriepreparatoire.com, tout attaché, sans accent, seriepreparatoire.com, allez-y. Et vous allez pouvoir avoir énormément de cadeau. Allez, je continue de lire vos commentaires. As, j'ai mis en place ton conseil qui fait partie de mon quotidien. Félicitations. On a Slade qui nous dit « Je veux être footballeur pro, c'est mon rêve et mon but. » C'est le cas de le dire. Hein. Bravo, en tout cas, c'est excellent. Voilà, Nicolas Collant, je vais voir si je peux épingler. Yes, et voilà. Donc, regardez bien. Je crois que j'ai réussi à épingler le commentaire de Nicolas Collomb. Dites-moi si ça marche. Voilà. Regardez bien ci-dessous, j'ai épinglé le commentaire de Nicolas Collomb qui nous suit en ce moment. Allez sur seriepreparatoire.com après ce Facebook Live que l'on fait en ce moment. Je suis assez content de mon coup quand même parce que je pensais que le Wi-Fi ici aujourd'hui n'était pas terrible. Et finalement, je vous l'ai dit, on a Internet via satellite. Et d'avoir Internet via satellite, parce que on est perdu dans la forêt, si tu veux. Donc, il n'y a pas comme dans les grandes villes, tu vois, du câble pour Internet. Je pensais que Internet par satellite, ça fait ça. Alors, je suis très content de vous avoir aujourd'hui, de partager avec vous mon intimité. Et ce qu'on va faire, c'est justement, on va jouer. La vie, c'est exactement ça. C'est un jeu d'échecs, la vie. Et d'ailleurs, je joue aux échecs avec mes enfants depuis très longtemps. Mais la vie, c'est ça. Et si vous ne savez pas anticiper les coups de la vie va vous rattraper, ce sera échec et mat. Vous comprenez? À partir du moment où vous comprenez que vous n'êtes pas là pour subir les choix de la vie, mais pour les anticiper, vous avez tout gagné. Allez, on y va. Maintenant, je crois que tout le monde est avec nous. Vous êtes tous ici avec nous. Laissez-moi voir si vous êtes là. Voilà, Nicolas, tu m'as marqué tout cela. Alors, est-ce que vous avez un papier, un crayon? Parce que vous savez qu'on n'est pas dans un Facebook Live juste pour se dire bonjour. C'est important de se dire bonjour. On est dans un Facebook Live pour que je puisse vous aider. Je veux vraiment vous accompagner, vous aider aujourd'hui parce qu'on est dans le cadre de la série préparatoire avec des Facebook Live, des Instagram Live, des articles, des vidéos. Et tout ça se retrouve dans la série préparatoire. Évidemment, il y a des gens qui ne me connaissent pas, il y a des gens qui ne me suivent pas, et c'est la majorité. Donc voilà pourquoi je fais un Facebook Live grand public, pour qu'on puisse se connaître, connecter ensemble, faire connaissance, et que vous alliez dans la série préparatoire. Faites très attention, ça va aller vite. Et chaque année, il y a beaucoup de gens qui sont évidemment un petit peu déçus, parce que malheureusement, la série préparatoire n'est accessible que pour quelques temps, quelques jours, c'est 2 semaines exactement. Bon. Première des choses. Est-ce que tout le monde, dites-moi oui ou non, notez-moi dans les commentaires. Est-ce que tout le monde a... Ça d'ailleurs, c'était un carnet de notes d'une croisière qu'on avait faite, tu vois, la croisière Globe. C'était une croisière qu'on a faite il y a quelques années, c'était extraordinaire. On ne va pas le refaire, mais c'était vraiment extraordinaire. Est-ce que vous avez tous papier et crayon? Est-ce que vous avez tous papier et crayon avec vous? Colline, tu as le papier et le stylo, génial. Moustapha, est-ce que tu as un papier et un crayon? Merci beaucoup de tes bons mots, c'est gentil, c'est très apprécié. Salam, mon frère. Shukran, plutôt. Riyam d'Abidjan, prenez de quoi noter s'il vous plaît, feuille stylo, prenez les touristes, c'est le moment de partir, ça y est, vous avez visité la forêt dans laquelle je suis,
Je vous ai montré la forêt, je vous ai montré la belle vue que j'avais, parce que beaucoup de gens sont souvent intéressés par ce côté un peu voyeuriste. J'en suis bien conscient que vous êtes des voyeurs. Alors, j'ai commencé par vous donner le lieu où je suis en ce moment, et maintenant, si vous l'acceptez, je voudrais, même si c'est important de vous montrer où j'étais, mais de travailler un petit peu. Je veux vous aider à réfléchir aujourd'hui. Et juste après, je vais aller faire mon barbecue. Vous me retrouvez dans les Instagram. Tous ici aussi, suivez-nous sur Instagram. On fait des stories, des lives en permanence. Et si vous voulez en savoir plus, allez sur Instagram, ouvrez un compte gratuit Instagram et vous irez dans Franck Nicolas Officiel. Et vous avez plein de stories que je publie qui sont beaucoup plus dans l'esprit d'Instagram que Facebook, qui a besoin de vidéos un peu plus carrées. Et puis Facebook ne distribue plus, vous le savez, depuis 1 an et demi, nos posts. Hein, Facebook a changé de stratégie. Si tu payes pas Facebook, tu es très peu écouté. Alors Instagram est aujourd'hui beaucoup plus distribué et plus ouvert au partage. Allez, parfait, on y va. La première des choses, parfait, merci Mustapha, vous avez tout ce qu'il faut à Mani, c'est parfait, génial, Chokri, c'est génial. Alors, Mouad, je sais que tu as des questions à me poser, mais écoute bien ce que je vais dire, mon ami, parce que j'ai envie de vous donner des éléments de réponse et je veux vraiment vous aider. C'est la série préparatoire, on se forme en ce moment. La première des choses, écoutez-moi bien, montez le haut-parleur, montez le son. Moi, je suis un fils d'Italien, avec des racines irlandaises, d'ailleurs, je l'ai su il n'y a pas très longtemps. Je suis un fils d'Italien, un doux mélange entre la France et, entre l'Italie et l'Irlande, qui sont deux cultures un peu différentes, anglo-saxonne et méditerranéenne. Donc j'ai les deux, j'ai le côté anglo-saxon et puis le côté italien aussi, méditerranéen. Et je suis né dans le sud de la France, mais ma famille a immigré dans les années 50 dans le sud de la France, à Avignon. Donc je suis né naturellement à Avignon. Moi, je suis issu du bas de la classe moyenne, de la classe populaire. On vivait dans un deux pièces et j'étais très heureux. Et aujourd'hui, j'ai pour habitude de dire, à l'époque, j'étais pauvre et heureux, parce que je vous dis la vérité, j'étais pas un enfant malheureux, j'étais pas un enfant alcoolique, j'étais pas un enfant drogué, j'étais pas un enfant battu, j'étais pas un enfant adopté, j'étais pas un enfant violé, j'étais pas un enfant dans l'horreur. J'étais un enfant heureux. Je voulais vous le dire. Donc j'étais pauvre financièrement, mais heureux. J'étais heureux dans mon enfance, mais je n'avais pas d'argent. Et j'ai pour habitude de dire, c'est ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui je suis riche humainement, spirituellement, riche de mes partages. Je pourrais développer mon entreprise sans faire de Facebook Live, uniquement en faisant des funnels de vente marketing, comme le feront beaucoup de gens, comme le font des experts comme Américains, comme Tai Lopez, plein de gens comme ça que vous connaissez bien. Je pourrais faire uniquement des funnels et puis développer mon entreprise. Mais c'est ma richesse intérieure qui m'amène aujourd'hui à me rappeler de là où je viens et d'aider celles et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir les connaissances que moi j'ai pour vivre leur style de vie. J'ai gagné mon premier million de dollars pour la première fois quand j'ai eu 1 million de dollars sur mon compte en banque, j'avais 28 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on n'a pas 1 million de dollars du jour au lendemain. C'est parce que j'ai accumulé des stratégies, j'ai économisé, j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné de l'argent. Et un jour, j'ai regardé mon compte bancaire et j'avais des actifs d'une valeur d'1 million de dollars, notamment en immobilier. Comment un gamin qui n'est pas plus intelligent que les autres gamins, comment un gamin qui est issu du bas de la classe moyenne, parti de zéro, a réussi à avoir dès 28 ans, sur ses actifs, son patrimoine, une valeur de 1 million de dollars? Comment je m'y suis pris? Comment j'ai fait pour naître d'une famille complètement différente de la France, en France, sans aucune relation, aucun contact et pas d'argent pour aujourd'hui être heureux. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? J'étais heureux et pauvre et aujourd'hui je suis riche et heureux. Mais je préfère aujourd'hui. Vous savez, on est dans une société où les gens se mentent énormément. Alors pas vous, je sais, pas vous, pas vous.
Mais la plupart des gens vont vous dire, quand ils souffrent d'embonpoint, quand ils sont en mauvaise santé, ils vont vous dire, mais c'est mignon les bourrelets d'amour. Les gens vont vous dire, mais je suis pas gros, j'ai des gros os. Mais c'est pas confortable de risquer d'avoir un diabète de type 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la plupart des gens se mentent sur la santé, se mentent dans leurs relations. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur les relations? Ils vont dire, mais c'est pas ma faute. C'est lui ou elle qui est un imbécile ou une imbécile. J'y suis pour rien. Sauf que ces gens-là répètent la même chose sur les relations avec des gens différents depuis des années. Ils ont les mêmes problèmes avec des gens différents. Mensonge sur les relations. Je suis mieux seul. Mensonge. Je ne trouverai jamais l'âme sœur. Mensonge. Santé, mensonge. Relations, les gens se mentent aussi. Vous voulez qu'on parle de l'argent? Les gens se mentent aussi. La plupart des gens vont vous dire, quand ils n'ont pas réussi à gagner de l'argent, ils vont vous dire, l'argent ne fait pas le bonheur. Ben, ils ont raison. Et alors, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Ouais, c'est vrai, mais tu n'en as pas du tout. Tu n'as rien. Tu ne peux pas t'occuper de tes parents qui vieillissent et qui ont besoin d'une très belle maison de retraite et qui sont occupés de toi toute ta jeunesse. Et tu peux peut-être même pas t'occuper correctement de tes enfants pour des grandes écoles ou les meilleurs médecins pour tes propres enfants. Et ta retraite, la retraite par répartition, mes amis, vole en éclats en ce moment. Vos gouvernements, la plupart d'entre eux, ne vous le disent pas ou vous mentent. Il vous faut vous préparer pour l'avenir. Les crises économiques de 2008 vont revenir. Tous les 50 ans, tous les 20 ans, il y a des cycles. Donc, on a compris, vous et moi, que la plupart des gens se mentent. Pas vous, mais les gens se mentent. Et moi, ce que j'ai fait, très tôt, et ça c'est important, j'ai cessé de me mentir. Très tôt, je me suis dit, je ne veux plus me mentir. Et vous savez ce qui s'est passé pour moi? Eric Schwartz-Sarf qui me dit, pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas notre propre honnêteté? Eh bien parce que si la plupart des gens se mentent, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Voilà pourquoi. Quand tu as peur de ne jamais retrouver l'âme sœur ou quand tu as peur de souffrir dans tes relations, tu préfères te mentir et dire, je suis mieux seul. Mais c'est un mensonge pour éviter l'échec. La même chose pour la santé, pour l'argent. Écoute-moi bien, quand quelqu'un te dit « l'argent n'est pas important », tu dois comprendre « j'ai abandonné ». J'ai abandonné la lutte, l'effort pour me battre pour celles et ceux que j'aime. Alors je leur fais comprendre qu'ils devront se débrouiller eux aussi tout seuls parce que moi je me suis débrouillé tout seul. Et c'est là où vous avez plein de discours préconçus de la classe moyenne. Sans arrêt. Et c'est terrible. C'est terrible. Alors voilà le premier constat que je voulais vous amener à avoir et à réfléchir dans votre mental. Travaillez ce premier constat. Arrêtez de vous mentir. Je vais peut-être encore être rude avec vous, mais il est temps de cesser d'être aveugle. Parce que quand vous êtes aveugle, vous vous mentez en permanence encore. Alors il est temps de retenir trois éléments qui m'ont permis à moi de m'en sortir. Je vais vous donner dans un instant, j'espère que vous prenez des notes en ce moment, mais je vais vous donner trois éléments dans un instant pour ne plus tourner en rond. Si vous mettez en pratique ce que je vais vous dire dans la série préparatoire, dont aujourd'hui, et ensuite vous irez sur seriepreparatoire.com, je vous assure, mes amis, que pendant dans deux semaines, vous viendrez me rejoindre dans le programme Spark. La plupart des gens râlent, chialent, pleurent et protestent et accusent leur gouvernement de ne pas être heureux à cause de leur gouvernement, à cause de leur président, à cause de leur premier ministre, à cause de leurs parents. Je souffre en raison de toi, papa. Je suis malheureux à cause de toi, maman. C'est toi la souci. Si je peux pas créer une entreprise, c'est parce qu'il y a trop de taxes. Si je n'ai pas d'argent, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Si je suis pas heureux, c'est parce que le bonheur n'existe pas. Si je me disais la vérité. Voilà comment beaucoup de gens préfèrent mettre de l'argent dans du divertissement, des appareils électroniques,
des bijoux, des vêtements, des sorties, des soirées, des cinémas, des vacances à crédit, au lieu d'acheter ou de louer un livre qui va enrichir leur mental. La plupart d'entre vous sont des spectateurs de leur vie et la voient passer. Vous savez ce que j'ai compris ? Je ne sais pas si vous m'entendez en ce moment. Vous savez ce que j'ai compris, moi ? C'est que la vie est courte et qu'on n'en a qu'une. Deux constats. La vie est courte et on n'en a qu'une. La vie est courte et on n'en a qu'une. Et la plupart d'entre vous, vous perdez beaucoup trop de temps et d'énergie à vous plaindre et à rejeter la faute sur les autres. Et quand j'ai compris ça dans ma propre vie, je me suis bougé les fesses. Je me suis bougé les fesses. Et j'ai cessé en permanence de laisser mes peurs guider ma vie. Vous comprenez ? Quelle que soit la société dans laquelle vous m'écoutez, dans 80 pays en ce moment, dans plus de 70 pays. Et le programme Spark, vous êtes issu de 80 pays depuis 2013. 273 000, vous entendez ? 273 000 étudiants ont été diplômés de ce programme de coaching Spark. 273 000 gradués depuis 2013 dans ce programme en ligne. Tout le monde est coach, tout le monde a fait fortune, tout le monde est en pleine santé, tout le monde est un expert, sauf que moi, c'est la vérité. Et la vérité, vous le savez aussi, c'est que oui, aujourd'hui, j'ai très bien réussi dans mes relations, mon couple, ma famille, avec mes enfants. Mais oui aussi, aujourd'hui, j'ai compris la vie qui est de redonner, redonner en permanence. J'ai créé ces deux semaines, je vous les offre pour partager. Ce programme Spark ici, vous l'aurez le 30 mai. J'ai mis toutes les connaissances que je connaissais depuis 25 ans en termes de leadership pour réussir dans ce programme. J'ai mis toutes ces connaissances. Et ce n'est pas un programme à 50 000 euros, 50 000 dollars, croyez-moi. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Il va falloir prendre des jumelles et voir plus loin, plus haut, plus fort. Mettez des jumelles, les amis. Cessez de voir ici, juste le petit bout du nez, là. Il est temps de passer au niveau supérieur, vous comprenez ? Il est temps de cesser de voir petit. Alors, le premier conseil. Et je vais vous dire un truc. Personne n'a dit que c'était facile, ce que je suis en train de vous dire. Et alors, il y a une très bonne question, qui est celle de Philippa Sbras, qui dit, elle dit, quand tu sais que tu es coupable de ta situation et que tu te sens seul, perdu ? Bien justement, c'est une excellente question. C'est-à-dire que plus, tu vois ma chérie, plus tu vas procrastiner, ne rien faire, et plus tu vas culpabiliser. C'est-à-dire que plus vous attendez dans l'inaction, et plus vous allez vous enfoncer dans l'inaction. Il faut immédiatement bouger. Je veux être votre coach. Laissez-moi être votre coach. Si vous voulez vivre un style de vie, je l'ai fait. Je sais de quoi je parle. Si vous voulez réussir à développer une entreprise, j'ai 4 entreprises qui génèrent des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Si vous voulez perdre du poids, je faisais 30 kilos de plus à l'époque. Merde ! 30 kilos ! Wouhou ! Ouh ! Je faisais 30 kilos de plus à l'époque, chérie. Et aujourd'hui, oh, I can do anything. Come on, my friend. I can do anything. Si vous voulez embaucher vos premiers employés, j'ai 300 salariés. 300 salariés travaillent dans mes 4 entreprises, dont une grande partie d'entre elles, je suis actionnaire seul, et d'autres, je suis l'un des actionnaires majoritaires. Et je ne dirige pas mes entreprises. Comment je m'y suis pris ? Quelle est ma méthode ? Comment j'ai réussi à atteindre mon style de vie ? C'est ça que je veux vous partager dans le programme Spark et dans la série préparatoire. C'est ça que je veux vous montrer. Tout le monde a réussi, mais montre-moi que tu as réussi. Ça, c'est la première des choses que vous devez mettre en place. Si vous avez un coach, un mentor, un conseil, un formateur, un conseiller, demandez-lui de vous montrer. Montre-moi, tu es un conseiller financier, montre-moi tes finances. Tu as réussi dans ta vie professionnelle, montre-moi ta santé, montre-moi tes relations, montre-moi ton équilibre, montre-moi ton style de vie, montre-moi ton expertise et ton savoir-faire, montre-moi tes résultats.
273 000 étudiants que j'ai diplômés juste dans ce programme. Dans le monde, chaque année, je rencontre plus de 150 000 participants à mes séminaires. Le plus dur, vous savez ce que c'est pour vous? C'est de commencer. Et c'est ça le plus dur. Alors Farida, je vais te montrer moi mon style de vie, ma chérie. Voilà Farida, voilà où je vis. Montrez-moi, ben, je vais vous montrer moi où est-ce que j'ai pour habitude de me retrouver. Tu vois Farida, vous arrivez peut-être juste en ce moment, mais c'est ici que je me retrouve. Dès qu'il fait beau, dans les beaux jours, c'est ici Farida, tu vois, que je me ressource chaque année. Et je vous montre, c'est ça la magie des médias sociaux, je vous montre moi ce qui m'inspire et je vous montre le style de vie que j'ai. Et si vous voulez un style de vie, choisissez quelqu'un qui l'a déjà fait. Si vous voulez un conseiller, choisissez quelqu'un qui s'y connaît, qui les met en pratique pour lui. Moi, un banquier qui veut me vendre des assurances vie, qui me promet la richesse financière et qui lui-même n'arrive pas à payer ses factures et qui me vend ses produits financiers, ça ne m'intéresse pas, chérie, désolé. Voilà mes amis, c'est ici, tu vois, ma belle Farida, que, et comme vous le voyez, j'ai les chaises longues qui sont là, et avec ma belle vue ici. Et c'est ça que je veux vous dire, vous devez faire en sorte de choisir quelqu'un qui est exactement ce que vous attendez. Si vous voulez devenir ceinture noire de karaté, trouvez un maître en ceinture noire de karaté. Pas juste quelqu'un qui est formateur en ceinture noire de karaté. Quelqu'un qui vit déjà, qui a une expérience, qui a une expertise. Achetez des conseils, achetez des formules, achetez des recettes. Pourquoi? Pour gagner du temps. Ça suffit de perdre du temps. C'est ça que vous devez faire. Cessez de perdre du temps. Vous devez faire en sorte d'aller plus vite. Suivez des conseils. Vous comprenez? Si tu veux faire une recette, écoutez-moi bien, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si tu veux faire une recette de gâteau au chocolat, est-ce que tu vas réinventer la recette? Est-ce que tu vas imaginer les ingrédients? Est-ce que tu vas calculer la température de cuisson? Tu vas prendre une recette. Il en va de même pour vivre ton style de vie. Pour vivre ta vie, tes affaires, il te faut une recette de quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est ce que je fais depuis 25 ans. Je suis coach international spécialisé en développement d'affaires et en leadership depuis 25 ans. C'est ce que je fais en permanence. Je rentre parce qu'il fait pas chaud. C'est parce que c'est Farida qui m'a chauffé, c'est pour ça. Elle m'a dit, montre-moi. Ben voilà ma chérie, je t'ai montré, ça te va? Acheter des recettes. Et c'est ce que je fais dans la série préparatoire. Vous savez, la série préparatoire, elle est gratuite. Je vous donne des recettes à l'intérieur. Qui est-ce qui va la rejoindre? Ben, une minorité de gens. Et les gens vont vous dire, eh bien, j'ai pas de chance dans la vie. J'ai pas de chance, il y a personne qui veut m'aider. C'est de la connerie. Tu es en train de fuir, de te mentir. Tu veux pas retrousser les manches. Tu veux pas investir du temps, de l'argent et des efforts dans ta réussite. C'est ça la vérité. Tu ne veux pas investir du temps, de l'argent et de la réussite dans ta réussite. Tu veux pas investir du temps, beaucoup de temps pour étudier, de l'effort, ça demande de l'effort pour réussir, pour changer de carrière, pour créer une entreprise, pour perdre du poids, ça demande de l'effort, oui ou non? Et trois, de l'argent. Vous devez investir de l'argent dans vos connaissances. Et les gens vont mettre de l'argent dans des conneries, dans des futilités. Ça ne fait aucun sens de mettre tout votre argent dans des bêtises. Et les gens pensent que 100 par-ci, 200 par-là, 300 par-là, ça n'aura aucun impact dans leur vie. Mais c'est faux. Il y a plein de stratégies. Et j'aurais aimé, moi, avoir un programme Spark en ligne, sur Internet, sans avoir à me déplacer. Et en plus, on vous offre des places à l'intérieur selon le membership que vous avez, selon le forfait que vous avez. On va vous offrir des places pour la tournée 110, des places pour le Weekend Spark. C'est un truc de malade. J'aurais aimé avoir ça à l'âge de 13 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans. 30 ans, c'était hier. Mais non, la plupart des gens vont vous dire « je n'y crois pas ». C'est trop tôt, c'est trop tard, je suis trop grand, trop petit, trop jeune, trop vieux. J'habite pas dans le bon pays. J'ai pas d'argent. J'entends souvent, j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, c'est trop dur. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Arrêtez de vous mentir. Et c'est ça mon premier postulat. Arrêtez de vous mentir.
Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. Quand tu vas cesser de te mentir, c'est gagné. Voilà mes amis, à partir du 30 mai, vous aurez le programme Spark qui sera ouvert. C'est un programme de 1 000 à 3 000 euros à peu près, de 1 000 à 3 000 dollars. C'est un programme qui est donné pour un an d'études. 1 000 à 3 000 balles pour un an d'études. Je facture 250 000 euros les 6 mois de coaching personnel avec moi, en one-one. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune place avant 9 mois. Et je refuse des dizaines et des dizaines de personnes chaque jour parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de le faire. Et je consacre un maximum de mon temps à offrir des vidéos et à mettre toutes mes connaissances, à enregistrer toutes mes connaissances, tout mon savoir dans des fucking de vidéos. Je mets tout là-dedans. Avec des montants de 1 000 à 2 000 euros ou 1 000 à 2 000 dollars pour un an d'études. C'est donné. Il faut être des fois aveugle pour ne pas voir les opportunités qui passent. Alors maintenant, j'aimerais vous donner... Je vois maintenant... Oui, je bois une camomille, exactement. Philippe Saint-Onge qui regarde ce que je bois au lieu d'écouter ce que je dis. Ou alors il fait les deux, je ne sais pas. Alors, si vous voulez reprendre votre vie en main, si ce que je suis en train de vous dire ne vous vexe pas au point de vous dire « Oh, il est trop rude, il est trop dur », avec des excuses. Hein. Si ce que je suis en train de vous dire vous gêne, c'est que vous êtes en train de laisser votre ego travailler. « Oh, mais c'est facile pour lui, il a toujours été riche. » Oh ben c'est facile quand on a de l'argent, c'est facile quand on a réussi à perdre du poids. Oh c'est facile d'être motivé dans une baraque comme ça, hein? C'est facile pour toi de parler comme ça. Et moi je suis seul, j'ai personne, toi t'as des enfants, pour toi c'est plus facile. C'est facile de faire la leçon aux gens, hein? Et puis de facturer de l'argent comme ça. Pourquoi tu l'offres pas tes connaissances dans ce cas-là si t'es gentil? Si t'es généreux, pourquoi t'offres pas tout? Et dans ces moments-là, si vous entendez ces voix dans votre mental, c'est votre ego qui prend le dessus. C'est votre ego qui prend le dessus. Si en revanche, ce que je suis en train de vous dire vous touche le cœur, si vous êtes ici avec moi en ce moment, au cœur de la forêt, et d'ailleurs, c'est un miracle que Internet, qui est satellite, fonctionne aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se fait. Je suis très heureux, très heureux. Mais si ce que je suis en train de vous dire compte pour vous, écoutez bien les trois éléments que je vais vous donner maintenant. Parce que si vous arrivez à contrôler votre ego en ce moment, c'est déjà gagné. Mais écoutez-moi bien. Parce que j'ai, peu importe l'âge que j'ai, mais je suis plutôt en fin de ma carrière qu'au début de ma carrière. Je ne suis pas en semi-retraite, parce que la retraite, le mot, je ne le connais pas. Mais croyez-moi, ne laissez pas passer mes conseils. Ne les prenez pas à la légère. Je sais que ce Facebook Live, il est gratuit, je le sais. Et quand c'est gratuit, ça n'a aucune valeur, surtout pour des gens qui ne me connaissent pas. Renseignez-vous sur Internet. Qui est Franck Nicolas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui je suis? Et vous pourrez comparer, s'il vous plaît. Ne me prenez pas pour un YouTuber ou un mec qui fait de l'Instagram ou du Facebook juste par plaisir. Ma vie, je ne l'ai pas reçue dans un Kinder Surprise. Ma vie, je l'ai travaillée. Je me suis battu pour avoir cette vie. Et je veux vous aider, vous aussi, à vous battre. Mais je ne vais pas le faire à votre place, vous comprenez? Pour aller au club de gym, je vais te dire les recettes. Mais je ne vais pas soulever les poids à ta place. Tu comprends? Pour ta santé, pour tes relations, pour ta carrière, pour créer ton entreprise, pour reprendre une entreprise, pour augmenter tes revenus, pour préparer ta retraite, pour t'occuper de tes enfants, pour t'occuper de tes parents qui vieillissent, je vais te donner des secrets, des clés, comment j'ai fait. Mais je ne peux pas le faire à ta place. Et vous savez très bien que je suis très honnête en ce moment. Hey, en ce moment-là, c'est la série préparatoire. Tu crois que je n'ai pas autre chose à faire que de parler à un téléphone cellulaire dans ma maison?
Ici, là, tu crois que j'ai pas autre chose à faire? Je pourrais prendre le quad ou descendre en bas, faire du spa. Je sais pas si vous allez me recevoir en bas si j'y vais, mais je suis pas persuadé. Je sais pas si... Ça, c'est ma deuxième pièce ici, tu vois, en bas. Et je vais voir si... Je vais vous faire voir aussi. On va se diriger là. Je sais pas si je peux... Attends, bouge pas. Les enfants sont pas là, donc je peux y aller. Je vais voir ici. Voilà, tiens. Hop. Voilà. Tu vois, je sais pas si tu vois... Ça, c'est mon spa ici, tu vois, qui est juste là, qui est posé. Mais honnêtement... attends, il faut que je ferme ici. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de vent chez nous. Voilà. Tu vois, regarde. Et voilà. Ouh, baby! 98. C'est les Fahrenheit, évidemment. Hein. Il n'est pas magnifique. Et toi, je me mets là, dans le spa. Je monte, tac, 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 tac. Et là, je me retrouve face à cette vue ici, dans le spa. T'entends les oiseaux derrière, regarde. C'est pas génial, ça. Et qu'est-ce que la réussite pour moi? Ben, la réussite, c'est de la partager avec ma famille, avec mes enfants, avec mes amis, que je sois à Miami, à Montréal ou ici au cœur de la forêt, dans ce magnifique chalet dans lequel je peux me ressourcer. Et c'est ça la santé, c'est ça le bonheur, c'est ça le partage, c'est ça la réussite pour moi. Peut-être que pour toi, c'est pas de te retrouver en pleine forêt pour être heureux ou heureuse. Mais peu importe votre mode, votre définition. Regarde, je suis au cœur de la forêt, regarde. On peut pas dire qu'il y a du vis-à-vis ici, hein. Non, ça c'est sûr. Tu vois? Regarde. T'entends les oiseaux? Et donc, tu vois, j'aime me mettre ici avec des amis. Parce que le spa, il est quand même bien, bien confortable. On se met ici, tu vois. Et puis, on regarde l'extérieur. On prend un bon jus de fruits, un bon thé vert. Et voilà ce qu'on a, tu vois. Alors, évidemment, si tu veux aller sur Instagram et me voir dans mon spa, tu peux. Mais pas sur Facebook. Facebook, non. Facebook, c'est trop intellectuel. Oh, je plaisante, ça va, oh, ça va, arrêtez de faire la gueule, oh. Regarde, regarde, plus loin, là, regarde. Tu vois, la végétation, elle n'est pas encore partie. Ça va arriver, mais pour l'instant, tu as juste les conifères qui fonctionnent bien, évidemment. Et derrière, tu vois, là, regarde le gazon, il est en train juste de partir maintenant, regarde, regarde, regarde. Là. Tu vois, ici, là, juste maintenant, il part. Ça demande un peu de temps, mais... Il y a un peu de nettoyage à faire, je sais. Mais ça, c'est pas très grave. Ça, c'est une première chambre d'amis, tu vois, qu'on met ici. Voilà. Donc là, on est... Tu vois, ça, c'est... On a trois chambres d'amis ici. Il y a trois chambres d'amis. Donc, vous pouvez venir, les amis, alors. Qui veut venir ici avec moi au chalet? Venez avec moi. Et regarde-moi ce bazar. Regarde les enfants, ce qu'ils ont fait là, regarde. Ah ben bravo les gars, ah ben super. Ah ça c'est tip top les gars, hein. Bravo. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est les gamins. Hein. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que... Identifiez quel est votre style de vie à vous. Moi, si vous me suivez toute l'année, vous allez vite le comprendre. Mon style de vie, c'est de partir à la rencontre d'hommes et de femmes dans le monde entier, d'aider des étudiants dans le monde entier, et puis de créer des outils qui vont vous permettre de vous développer à vous aussi. Créer des outils pour vous permettre de grandir, de considérablement progresser. Et c'est ça que je veux pour vous. J'ai créé des outils pour vous aider. Par exemple, vous avez tous quasiment reçu l'agenda 110. L'agenda 110, c'est un outil que j'utilise depuis très longtemps, qui n'avait pas cette forme, qui a été amélioré et qu'on a rendu public pour la première fois il y a quelques mois. Et les premiers agendas 110 ont été envoyés. On va envoyer une autre fournée, je crois, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour tous les étudiants du programme Starter. Donc dans 10 jours, là ils sont en train de vérifier toutes les adresses de tout le monde pour pas qu'il y ait des chaleurs. Et cet agenda 110, si vous voulez vraiment... grandir, prenez-le cet agenda.
Ça coûte 30 balles. C'est 750 grammes. C'est un hardcover. Et à l'intérieur, vous avez tous les éléments nécessaires. Attends, fais voir. Tout est guidé pour vous permettre de grandir. Voilà. C'est de l'auto-coaching cet agenda. Ce n'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi seulement. Hein. C'est à tout un protocole pour t'aider à grandir et à choisir tes journées. Arrêtez de perdre du temps. Et j'utilise cet agenda 110 pour ne plus perdre de temps. Ça, c'est l'un des outils que j'utilisais et que j'ai mis à disposition. Maintenant, c'est exactement ce qu'on fait avec le programme Spark. J'ai rassemblé mes connaissances et je les ai enregistrées dans des vidéos et que je distribue au monde entier. À vous de voir. Alors, après cette belle introduction, et je vais prendre vos... Ah, tu l'as eu à Ouest, toi aussi. Ah, génial, tu l'as déjà. Qui est-ce qui l'a déjà? Génial, bravo, félicitations. Ismaël, oh mon Ismaël, je vois ta photo parce que les prénoms souvent j'oublie, mais Ismaël, je vois ta photo. Tu étais staff chez nous à Ouest pendant plusieurs années. Et une belle vie de couple que tu as réussi en partie parce que tu as fait des belles rencontres, je crois, à Ouest. Bonjour à nos amis de La Réunion, bonjour Angie, bonjour Angie. Alors, ah Magdalène, Rachid, vous l'avez tous commandé l'agenda 110, génial. Selma, est-ce que vous l'avez reçu ou pas? Comment je peux avoir cet agenda? Oh Donia, il faut juste aller sur mon site internet globe.cc, globe.cc. Allez sur globe.cc et vous aurez cet agenda qui d'ailleurs est magnifique, regardez. Il est magnifique, vous avez un petit marque-page ici. Tiens, et en plus, alors, je vais cacher le code, mais chaque agenda a un code secret ici. Allez sur agenda, ah non, en fait, il faut juste aller sur agenda110.com, je suis bête. Agenda110.com, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais tout ça pour vous dire que sur agenda110.com, dans chaque agenda, il y a un code secret et vous avez, grâce à cet agenda, un programme qui vous permet de gérer votre temps et il est offert avec l'agenda 110. Voilà. Bon, prenez un papier et un crayon, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir Brigitte. Bonsoir à tous ceux, celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. S'il vous plaît, prenez un papier et un crayon parce que c'est mon équipe qui travaille beaucoup, mais nous allons vous donner trois clés pour vivre la vie, les affaires que vous aimez. Et je voulais faire ce Facebook Live en vous donnant quelques clés. Pour amorcer cette série préparatoire. Donc regardez bien, s'il vous plaît, regardez bien le lien ci-dessous. Le rendez-vous très important, allez sur seriepreparatoire.com. On va vous offrir 3 conférences. Vous ne voulez pas les manquer sur Internet gratuitement. Vous avez aussi 3 programmes, conférences qui ont été enregistrées en public. Vous ne voulez pas les manquer. Allez, premier, après ce premier coaching qu'on vient de faire ensemble d'une demi-heure, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est ensemble, je pense, ou même un peu plus, je ne sais pas, même plus. J'aimerais vous donner, s'il vous plaît, 3 clés qui m'ont permis à moi, et puis je vais vous donner d'autres clés dans la série préparatoire, et puis une année de coaching personnalisé avec moi, si vous acceptez que je sois votre coach, pendant 1 an dans le programme Spark à partir du 30 mai. Le programme Spark, c'est un programme entre 1000 et 3000 euros. Et vous investissez à l'année. That's it. Il n'y a pas de secret. Et c'est un programme qui est donné. Il est donné, ce programme. Croyez-moi. Mais si vous n'avez jamais investi en vous, c'est certain qu'il va falloir vous y préparer à ça. Première des choses, premier conseil. Le premier conseil que je vais vous donner, j'espère que vous avez de quoi noter. Écoutez-moi bien. La première des choses pour vivre, pour réinventer sa vie. La première des choses, l'astuce numéro 1, conseil numéro 1 pour réinventer sa vie, pour choisir et créer son style de vie, c'est de supprimer le diktat
de la raison. Supprimez les dictats de la raison. Première des choses, il va falloir que vous arrêtiez d'être l'esclave de votre raison. Notez s'il vous plaît. Numéro 1, premier conseil, supprimez le diktat de la raison. Ça suffit d'être prisonnier ou prisonnière de votre raison. À chaque fois que vous avez reculé, à chaque fois que vous avez renoncé, à chaque fois que vous avez souffert, c'est souvent parce et regretté. C'est en numéro un parce que vous avez laissé votre raison prendre le contrôle. Refusez que la raison décide de vos rêves. Ne laissez pas la raison décider de quoi vous avez besoin. Ne laissez pas la raison faire sa petite dictature. Supprimez les dictats de la raison. Vous devez rêver grand, rêver haut, rêver fort. Ça, ce style de vie, là, ma raison, quand j'étais issu du bas de la classe moyenne, ma raison dans mon quartier du sud d'Avignon, dans mon quartier défavorisé de la Grange d'Aurel, ça, jamais ma raison ne pouvait me dire « c'est possible ». Ma raison me disait « ça suffit, arrête de rêver en couleur, ça sert à rien, laisse tomber, c'est trop dur, c'est pas pour toi, t'y arriveras pas, c'est pas possible. Tu n'y arriveras jamais, voyons donc, arrête, ça suffit, va te coucher, mange tes croquettes, petit chien. » Jamais, ma raison ne pouvait me dire à l'époque, quand j'étais au fond du gouffre. Je te l'ai dit, j'étais pauvre, mais j'étais heureux comme enfant. J'étais pauvre, mais j'étais heureux. Sauf qu'aujourd'hui, je suis riche et toujours heureux. Riche humainement, riche émotionnellement, riche relationnellement, riche avec ma famille, riche avec une communauté à l'international que je peux aider tous les jours gratuitement, riche de ce que je partage, et aussi riche financièrement. Et je peux aujourd'hui avoir le style de vie que je veux. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en pratique et j'ai compris peut-être avant toi le premier conseil que je viens de te donner. J'ai compris avant toi ce premier conseil. Et je te le dis avec beaucoup de passion, beaucoup de conviction. Tu sens que je veux t'aider en ce moment, tu le sens ? Je pourrais proposer le programme Spark, je te l'ai dit, avec des funnels marketing, publicité radio, télé, internet et c'est terminé. Mais je veux avoir dans ce programme des gens qui me connaissent, des gens qui ont faim, des gens qui en veulent plus. Et surtout, je veux l'avoir fait en partageant 80% de mes connaissances gratuitement. Et rejoindre et permettre de m'entourer d'hommes et de femmes qui sont prêts à être aussi déraisonnables que moi et à ce que je les coach pendant un an. Laissez-moi être votre mentor, votre coach pendant un an. Laissez-moi pendant un an. Je vais taper à 360 degrés, je vais vous aider dans ce programme. Je te l'ai dit, c'est 1000 euros, 1000 dollars. 1000 dollars, c'est de 1000 à 3000 euros. 1000 à 3000 dollars, that's it. Il n'y a pas de secret. Il va falloir que tu mettes des efforts. C'est un an de travail. Il va falloir que tu aies envie de casser cette vie dans laquelle tu es aujourd'hui. Il va falloir que tu aies envie de réinventer ta vie. Il va falloir que tu investisses du temps. C'est chaque semaine, moi, le programme Spark. Je t'attends pas. Let's go. Et puis les vidéos, tu peux les revoir quand tu veux. C'est pendant 7 mois. 7 modules. Ça va durer 13 mois. Tu vas m'avoir sur le dos pendant 13 mois. Mais je te le garantis que si tu fais exactement ce que je te demande de faire pendant 7 mois, et tu pourras voir et revoir les vidéos quand tu veux, si tu n'as pas le temps. Tu auras 6 mois de plus. Donc, le programme Spark, c'est 13 mois d'accès. Tu as tout le temps de voir les vidéos. Mais je t'assure que ta vie va changer. Mais tu dois mettre du temps,
de l'effort et investir de l'argent dans tes connaissances. Bang, bang, bang! Vous comprenez ce que je veux dire? En revanche, si vous êtes juste là parce que vous me trouvez sympathique, c'est parfait. Mais celles et ceux qui ont vraiment faim, venez me rejoindre parce que je veux m'entourer de gens comme vous. C'est vous qui me motivez à faire ce métier aujourd'hui alors que honnêtement, je pourrais vraiment arrêter de travailler. Celles et ceux qui me connaissent un tout petit peu savent que je pourrais m'arrêter de travailler. Ils savent. Les gens ne sont pas stupides. Mais si je le fais, c'est parce que je rencontre des gens comme toi. À la tournée 110 au week-end Spark, et on va vous offrir des billets dans le programme Spark, ça sera inclus, selon les memberships, en exécutif et en platine notamment, eh bien on va se rencontrer. Et je peux vous dire que le programme Spark, tu sais quoi? Tu vas l'essayer pendant 30 jours. Pendant un mois, tu vas l'avoir, le programme Spark. Et si au bout d'un mois, ça ne te plaît pas, tu te fais rembourser. Il y a zéro risque. Zéro risque. Le programme Spark, personne n'est piégé. Il n'y a pas d'entourloupe. Je suis à la tête de Globe. C'est un organisme de formation continue et de coaching numéro 1 au Canada. On est agréé au Canada. Pas en France, mais agréé au Canada. Et les entreprises font appel à nous pour le 1% formation uniquement au Canada. Mais on rayonne dans le monde entier. Et on forme des gens dans le monde entier. On est des gens très sérieux, crois-moi. Et il n'y a pas de piège chez nous. Tu viens dans le programme Spark le 30 mai. Tu peux être remboursé pendant 30 jours si ça ne te plaît pas. C'est aussi simple que ça. Il y a zéro risque. Mais la première des choses à comprendre, ce conseil, c'est supprimer. Supprimer cette idée reçue que ce n'est pas fait pour vous. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Ça demandera plus d'efforts, plus de temps et plus d'argent que prévu. Tous les projets que vous allez mener à bien, écoutez-moi bien, tous vos projets vont demander plus de temps, plus d'efforts et plus d'argent que prévu. Tous les projets. Créer une entreprise, se marier, organiser une soirée, tout, tout, tout! Perdre du poids, retrouver la santé, tout! Tout va demander du temps, énormément de temps. Mais tu le sais maintenant, arrête de pleurer. Arrête de dire que c'est les taxes, les impôts, les autres, les présidents, les premiers ministres, les voisins, tes parents, ton frère, ta sœur. Mais non! C'est la vie qui est ainsi. C'est la vie qui est ainsi. Ce n'est pas contre toi, c'est pour toi, c'est pour t'apprendre, c'est des leçons de la vie. Mais gagne du temps, achète des recettes de gens que tu admires, de gens dont tu épouses le style de vie, des gens qui t'inspirent, des gens qui sont experts et qui ont des connaissances. Mais choisissez des gens, montre-moi, disait Farida tout à l'heure. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle est Farida, mais elle a raison, montre-moi. On n'a rien sans rien. Si vous voulez grandir, let's go! Donc la première des choses, c'est ça, c'est supprimer le diktat de la raison. Et faites en sorte de... Écoutez-moi bien, c'est subtil ce que je vais vous dire. Ne faites plus ce choix en fonction de ce qui est raisonnable. Le numéro un, c'est ça. Choisissez, ne choisissez pas toujours en fonction de ce qui est raisonnable. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne choisissez pas toujours en fonction de ce qui est raisonnable. C'est mon premier conseil. Le premier conseil, ne choisissez pas toujours ce qui est raisonnable. Vous comprenez? Deuxième conseil, vite, prenez un papier et un crayon, s'il vous plaît. Prenez de quoi noter. Prenez un papier et un crayon et notez le deuxième conseil. Vous devez toujours imaginer grand. Imaginez toujours grand. Voyez grand, jamais petit. Deuxième conseil. Ne voyez pas petit, ne voyez jamais petit. Voyez extra large. Faites en sorte
toujours d'être en 4K, en 25K, en grand écran, toujours. Soyez en grand écran. Le deuxième conseil, voyez toujours grand. Deuxième conseil, voyez toujours grand. Voyez toujours grand. Ça ne sert à rien de voir petit. Ça ne sert à rien de voir petit. Je vais vous dire pourquoi les gens voient petit. La première des raisons pour lesquelles les gens voient petit, c'est qu'ils sont entourés de gens qui voient petit et qui vont leur dire « Arrête de rêver en couleur !» Ou les parents qui disent à leurs enfants « Wow, 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 il faut se contenter de ce que tu as !» J'entends aussi « Mais je t'aime comme tu es !» Qu'est-ce qui se passe quand tu dis à un gamin « Je t'aime comme tu es ?» Il se sent aimé, d'accord. Mais ensuite, ben le gamin, il ne fait pas d'effort. Il reste turbulent, il continue de mal manger, il fait du jeu vidéo. Et moi, mes gamins, je ne leur dis pas « Je t'aime comme tu es ». Vous devez voir grand, affronter vos peurs. Ne choisissez pas la facilité, voyez grand. Les gens qui vous ont dit « Je veux voir petit, il faut voir petit », mais c'est parce qu'eux-mêmes ont abandonné dans leurs rêves et leurs projets, vous comprenez? Si vous avez abandonné dans vos projets, et si vous écoutez les gens qui ont abandonné dans leurs projets, vous allez voir petit. Et voilà comment la plupart des gens voient petit. Donc le deuxième conseil que je vous donne avec beaucoup de passion et grand public, et dans la série préparatoire, vous aurez beaucoup plus de détails, je peux vous le dire. C'est juste un Facebook Live. Mais ne voyez pas petit. Vous comprenez? Ne voyez pas petit. Deuxième conseil. C'est-à-dire que ce que font les gens, ils font cette erreur. Et je vais vous demander de cesser de faire cette erreur. Je vais vous demander. Voici l'erreur que vous allez devoir cesser de faire. Quand je dis « voyez grand », je vais vous détailler maintenant. Vous devez cesser, notez s'il vous plaît, vous devez cesser de calculer le rapport risque, l'équation risque, rapport et coût. Risque, rapport, combien ça rapporte, et coût, combien ça coûte. Risque, rapport, coût. Alors je sais que je suis dans un Facebook Live grand public et je ne veux pas être très compliqué, mais ce qui va vous planter, c'est de tout miser sur l'analyse trop importante de l'équation risque-rapport, combien ça me rapporte, et les coûts. Et je vais vous demander plutôt, et c'est justement ce que je vous demandais de faire tout à l'heure et dans l'introduction, faites en sorte d'utiliser votre principale faculté magique. Et notez, qu'est-ce que la faculté magique? Qu'est-ce que la faculté magique? On vous a enseigné, notamment vous les francophones, alors chez moi ici au Canada ou aux États-Unis, on n'a pas eu la même éducation aussi cartésienne que ce que pourraient l'avoir par exemple les habitants de la vieille Europe. En Europe, c'est très scolaire, c'est très vertical, c'est vouvoiement, c'est très cognitif. Et on développe un peu plus maintenant, mais on développe très peu l'aspect émotionnel. Et tout le cerveau, finalement, le cerveau droit. En Europe, vous êtes notamment très, très cerveau gauche, cognitif, rationnel. Et nous, les êtres humains, je ne sais pas si vous le savez, nous avons une faculté qui est magique. Et la faculté magique, c'est quoi? Eh bien, au lieu d'utiliser toujours, sans arrêt, et cette équation terrible qui est risque, rapport et coût, risque, rapport et coût. Alors, quels sont les risques? Combien ça me rapporte maintenant, en plaisir? Oh, je vais au cinéma, je préfère, ça me rapporte plus de plaisir. Je laisse tomber mon régime, je vais manger dans le frigidaire, ça me rapporte plus de plaisir. Vous comprenez? C'est immédiatement, qu'est-ce que ça me rapporte maintenant? Les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Qu'est-ce que ça me rapporte maintenant? Du plaisir?
Alors, je vais tromper mon homme ou mon partenaire ou ma partenaire. J'ai envie de baiser. J'ai envie de faire l'amour. Il faut que je fasse l'amour. Hop, je trompe mon partenaire. Je trompe mon partenaire. Pourquoi ? Immédiatement, plaisir. Je fais un régime. Je laisse tomber. Immédiatement, plaisir. Je ne réussis pas à créer mon entreprise tout de suite. Je laisse tomber. Pourquoi ? Douleur. Je veux du plaisir. Je ne fais pas d'études. Je préfère aller au cinéma. Pourquoi ? Plaisir. Je préfère mettre de l'argent dans des vêtements. Plaisir. M'acheter une voiture pour me donner de la confiance en moi artificiellement. Plaisir. Donc, évidemment, tout ça, je vais vous l'expliquer dans Spark, mais laissez-moi tomber le rapport risque, rapport immédiatement, l'équation risque, rapport et coût. Émotionnellement, vous allez vous planter. La faculté magique, et je vais finaliser ce Facebook Live, c'est l'imagination. Vous avez en vous ce pouvoir qui va venir briser la peur, qui va venir briser le doute, qui va venir briser le découragement. C'est de toujours, toujours imaginer grand. Utiliser la faculté magique. L'imagination. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Mais si vous utilisez votre principale faculté magique qui est l'imagination, vous avez fait 50% du chemin. Parce que personne ne peut réussir un examen s'il n'y croit pas. Personne ne peut trouver l'homme ou la femme de sa vie s'il n'y croit pas. Si vous êtes fermé comme une petite fleur fermée, personne ne viendra vous cueillir. Personne. Si vous pensez que l'argent est sale, si vous pensez que l'argent ne sert à rien, terminé, vous n'en aurez jamais. Si vous ne vous aimez pas en pleine santé, vous ne serez jamais en pleine santé. C'est bien plus que la loi de l'attraction, qui est souvent de la connerie. Je suis coach, je suis un entrepreneur, je suis un pratico-pratique. Moi, j'aime ce qui fonctionne et l'imagination. C'est ce que font tous les artistes, tous les sportifs. Et les mecs, je ne sais pas s'il y a des hommes qui m'écoutent en ce moment, mais qui aiment la Formule 1 ? Qui aime la Formule 1 ? Ben, la Formule 1, à l'époque, moi, mon héros, c'était Alain Prost, évidemment. Mais en Formule 1, le pilote de Formule 1 va imaginer tout son parcours, il l'a dans la tête. Et s'il a dans la tête, c'est gagné, il a gagné son parcours. Vous comprenez ? Un architecte, l'architecte qui a fait ce chalet, tiens, regarde, voilà, l'architecte qui a fait ce chalet, eh bien, là où je suis en ce moment, l'architecte où je suis en ce moment, eh bien, il l'a imaginé avant de le mettre sur l'ordinateur ou de le dessiner. Ne cessez jamais de voir grand et c'est ça, imaginer. Donc, un, ne suivez pas forcément votre raison. Deuxième conseil, voyez grand, faites appel à la faculté magique, l'imagination. Et trois, je vais vous donner le troisième point dans un instant. Celles et ceux qui nous rejoignent en ce moment, c'est très important. Je vais vous demander, s'il vous plaît, si le contenu vous plaît, si mon travail vous plaît, si le fait que je sois là pour vous un week-end, si vous trouvez ce contenu intéressant, riche, s'il vous plaît, partagez ce Facebook Live sur votre page Facebook pour pouvoir partager un maximum, pour pouvoir faire connaître ces conseils à tout le monde. Si vous aimez ma générosité, ma démarche, mon approche pédagogique, mes conseils, et si vous appréciez mon énergie, partagez s'il vous plaît ce Facebook Live sur votre page. Aidez-nous à faire connaître Globe. Aidez-nous à faire connaître cette gratuité. Et venez dans le programme gratuit là encore. C'est un extrait du programme Spark. C'est un extrait de ça. C'est 2 semaines gratuites. Allez sur seriepreparatoire.com. Seriepreparatoire.com. C'est gratuit. C'est pour 2 semaines seulement. Seriepreparatoire.com. Allez-y dès maintenant, parlez-en à tout le monde. Je veux que tout le monde rejoigne cette série préparatoire. C'est 2 semaines, on va bientôt faire des webinaires en direct, des conférences web. Je veux tout le monde dans cette série préparatoire.
Aimez cette vidéo, partagez cette vidéo et contribuez à notre mouvement. Contribuez à Globe, aidez-nous à grandir, aidez-nous à faire connaître ce mouvement, aidez-nous à développer le leadership et faites votre part. Redonnez gratuitement à d'autres ce que je vous donne gratuitement, d'accord ? Troisième conseil. Bravo Antonio, tu t'es inscrit à la série préparatoire, c'est parfait. Troisième conseil, et c'est très important, je vais finir là-dessus. Forgez votre équipe. Troisième conseil. Troisième conseil, forgez votre équipe. Vous devez forger votre équipe. Troisième conseil, ne restez pas seul. On ne peut pas réussir seul. Qu'est-ce que je viens de vous dire il y a un instant ? Partagez cette vidéo. Venez dans la série préparatoire. Rencontrez. Faites rayonner Globe. Pourquoi ? Parce qu'ensemble, on est plus fort. Le comment, Nicolas Collomb, tu vas l'avoir dans la série préparatoire, dans le programme Spark. Je suis déjà plus d'une heure de live en ce moment. Nicolas, tu vois ma générosité, mais je ne peux pas passer 25 heures en direct. Tu comprends ? Donc, vous avez plein de questions, mais le comment, vous l'aurez dans le programme Spark. Le comment précis en détail, vous l'aurez dans le programme. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça plus tard. Mais, écrivez ceci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est important ce que je vais vous dire. Si vous m'entendez bien, laissez-moi un message, un commentaire. Si vous m'entendez bien, laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi que vous m'entendez bien. Faites-moi des pouces, comme ça, par exemple, ou un commentaire, parce que ce que je vais vous dire est très, très important. Et prenez surtout vite un papier et un crayon. Prenez de quoi noter. Ce que je vais vous dire est capital. C'est essentiel, ce que je vais vous dire. Donc, si vous m'entendez bien, dites-le. Et même si de temps en temps ça bug un petit peu, c'est le Wi-Fi, désolé. Je vous l'ai dit, je suis en pleine forêt en ce moment et je suis même très étonné que ça fonctionne. Forger votre équipe, ça veut dire quoi ? Notez ceci. Vous devez passer de la logique de compétition à la logique de collaboration. Écrivez ceci s'il vous plaît, écrivez ça. Vous devez passer de la logique de la compétition avec les autres à la logique de la collaboration avec les autres. Les francophones, vous êtes trop individualistes. Vous ne dites plus bonjour aux gens, vous ne dites plus bonjour à vos voisins, vous avez du mal à vous mettre en couple, du mal à créer une famille, du mal à vous associer en affaires avec des gens, du mal à établir des partenariats sans vous engueuler, vous avez du mal et c'est l'une des raisons de votre échec. Le troisième conseil, c'est de forger votre équipe du succès. Dans le programme Spark, dès que vous allez rentrer dans le programme, je vais vous mettre en relation sur un groupe privé avec 273 000 participants issus de 80 pays. Alors, ils ne sont pas tous dans le groupe dans lequel on est, mais j'ai formé 273 000 étudiants dans le programme Spark. Dès que vous allez rentrer dans le programme Spark, vous aurez accès à un groupe privé où vous allez retrouver des étudiants issus de 80 pays. Quelle est la valeur de ça, à ton avis ? De casser l'isolement, de rompre avec l'isolement. On a besoin d'être ensemble. Vous comprenez ? Globe, c'est quoi ? Globe, c'est... c'est la planète. On a besoin d'être ensemble. On n'est rien seul. Mais vous êtes égoïste. Vous ne partagez pas. Vous ne redonnez pas. Vous ne prenez pas du temps pour les autres et pas suffisamment. Et vous faites des extrêmes. Un, vous ne gagnez pas de l'argent. Vous ne créez pas d'entreprise. Vous n'entreprenez pas. Vous laissez tomber. Et en plus, vous ne partagez pas aux autres ce que vous n'avez même pas. Comment tu veux partager de l'énergie quand on n'a pas ? Comment tu veux partager des conseils quand tu les as pas toi-même ? Comment tu veux conseiller, aider des amis quand tu sais même pas comment faire ? Comment tu veux ajouter de la valeur sur un marché quand toi-même t'as pas de valeur sur le marché industriel ? Si t'es pas un super expert dans ton domaine, tu peux pas redonner aux autres. Vous comprenez ? Vous devez vraiment travailler ça. C'est extrêmement important. Et à partir du moment où vous allez le faire, tout va changer pour vous. Tout va changer immédiatement pour vous. Vous comprenez ?
Vous devez partager, faire circuler, créer une équipe, collaborer avec des gens qui vous ressemblent. Et dans le programme Spark, vous allez avoir ça. C'est ça aussi Spark. C'est une communauté internationale. Et le principal rendez-vous, c'est la tournée 110 à l'automne prochain. Et le Weekend Spark, le rendez-vous des Sparkers du monde entier au printemps prochain. Ça s'appelle WES. Donc, un, supprimer les diktats de la raison. Deux, et je ne critique pas Vénal et francophone, pas du tout mon chéri. C'est que tu comprends peut-être un petit peu mal mon approche. Il y a quelqu'un qui me dit « Pourquoi tu critiques les francophones ?» Mais j'aime les francophones. Si je parle français maintenant et si j'aide depuis plus d'une heure et demie gratuitement des francophones, Vena, c'est effectivement, c'est parce que je veux les aider. Tu comprends? Et si tu ne comprends pas, malheureusement, ben je t'aurais bien aidé. J'aurais tout fait pour t'aider au maximum. Et je te dis au revoir. Voilà, et je ne pourrais plus t'aider du tout cette fois-ci. Donc, retenez les trois points, s'il vous plaît. Un, supprimez le diktat de la raison. Deux, voyez grand, toujours grand. Et trois, collaborez. Ne restez pas seul. Travaillez en équipe. Vous comprenez? Voilà ce que je voulais vous dire, les amis, pour vous aider un maximum. Voilà ce que je voulais faire aujourd'hui. Maintenant, je vais, si vous le voulez bien, rejoindre ma famille. Je vais faire ce que je sais faire. Bouge pas. Attends une seconde. Oui, voilà. Bon. C'est l'heure de faire chauffer le barbecue. Attends. J'espère que je vous ai aidé, les amis. Hein? Je vais. Voilà. Regarde ici. Ça, celui-là, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre celui-là. Voilà. En fait, je pensais faire un Facebook Live de 10-15 minutes. Et je crois que j'ai débordé. Voilà, j'ai vraiment débordé. J'espère que ça vous a plu. Je vais maintenant préparer le barbecue. Je vous retrouve peut-être sur Instagram, les amis. Et puis venez nous rejoindre dans la sériepréparatoire.com. Venez nous rejoindre. Et j'espère que vous découvrirez que ce Facebook Live était juste une mise en bouche. Et peut-être que ça a déjà aidé beaucoup de gens. Partagez cette vidéo, on compte sur vous, pour faire rayonner Globe et pour que ces conseils que je vous ai donnés aujourd'hui puissent aider beaucoup de gens, un maximum de gens, à vivre leur vie et leurs affaires. Et je vous dis à très très bientôt.